À la Banque islamique de développement, on réfléchit à de nouvelles procédures de passation des marchés. Pour ce faire, les experts, chefs de projet et programme, ainsi que des représentants de l'institution, sont tous interpellés. Ils ont 5 jours pour définir une ligne d'action claire pour les marchés à venir. Issoufou Kabore et Pinidie Yanou pour les détails. Chef de projets et programmes, responsables financiers, experts et partenaires de la Banque islamique de développement BID sont ici en conclave. Ils ont 5 jours pour élaborer les procédures de passation des marchés afin de permettre une gestion efficiente des projets et programmes de développement sur financement des partenaires techniques et financiers en général et de la Banque islamique de développement en particulier. C'est une opportunité de venir organiser cet atelier de passation de marché pour, en faveur de nos projets pour essayer de régler les problèmes que nous rencontrons dans l'exécution de nos projets. Également partager le nouveau cadre de passation de marché de la Banque qui a été adopté en février 2023. De ce point de vue, ce nouveau cadre de passation de marché va prendre ce qu'on va utiliser les procédures nationales basées sur le risque, si les procédures sont acceptables et conformes aux standards internationaux. On va prendre en compte ce qu'on appelle aussi les acquisitions durables, qui prennent en compte l'économie, c'est un critère non négligeable. Les aspects environnementaux, c'est non négligeable. Également les aspects sociaux dans nos projets. Les nouvelles directives sont adoptées par la Banque islamique de développement. Le Burkina Faso est présent à travers le ministère en charge de l'économie pour mieux s'approprier ces directives. La BID vient d'adopter de nouvelles directives et il était de bon ton qu'ils viennent partager pour permettre aux acteurs nationaux de mise en œuvre des projets et programmes de s'approprier de ces nouvelles directives-là pour faciliter la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. Et comme on l'a dit, cela va permettre d'éviter pas mal de difficultés par la suite. Parce qu'en général, quand vous exécutez des projets et programmes, au mépris des textes du bailleur, souvent, lors de l'évaluation a posteriori, ça peut vous revenir à la figure. Voilà. Donc, cet atelier était important pour permettre non seulement d'accélérer la mise en œuvre des projets et programmes, mais également éviter le non-respect de ces procédures-là qui pourraient par la suite dommager pour le pays. Les contributions de Burkina Faso à travers cet atelier sont attendues. Dès que les contributions qui permettent l'adoption d'une nouvelle loi de passation des marchés de la Banque islamique de développement au pays des hommes intègres.